Vous regardez actuellement Afrique Today qui couvre cet événement. Alors, nous sommes toujours dans cette salle où va se passer la cérémonie des awards. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les téléspectateurs d'Afrique Today, s'il vous plaît? Monsieur, bonjour. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Je suis Madame Jennifer Cérès, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes basée en Côte d'Ivoire? Exactement. Alors, Afrique Today est basée presque partout, mais nous ne sommes pas encore à Côte d'Ivoire. Nous sommes représentés au Cameroun, nous sommes représentés en France, mais nous ne sommes pas encore en Côte d'Ivoire. Mais les téléspectateurs de la Côte d'Ivoire peuvent télécharger l'application d'Afrique Today et ils pourront nous regarder en direct, ils pourront regarder cette édition. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Je pense que c'est génial d'organiser ce genre de forum pour célébrer des mérites sur le continent africain. Parce que moi, j'ai été invitée pour recevoir ce soir l'award. Donc, je suis très, très honorée de savoir que le travail que nous faisons en Afrique est regardé partout dans le monde. Et moi, je travaille dans le cadre de la sensibilisation, de la formation de tous nos braves paysans africains qui travaillent dans les champs, qui nous permettent de manger jour et nuit, mais qui sont dans la pauvreté. Et j'essaye de montrer leur travail à la face du monde. Et aujourd'hui, je vais recevoir un prix. Je suis très, très honorée. Alors, quel est l'award que vous allez recevoir aujourd'hui? Je pense que je vais recevoir le prix de la meilleure promotrice du secteur agricole. Donc, tout à l'heure, j'aurai tous les détails. Donc, vous faites dans la promotion de l'agriculture en Afrique? Exactement. Je fais la promotion et j'ai une émission télévisée qui est diffusée sur les antennes de la RTI première chaîne qu'on appelle Brave Paysan. C'est un 26 minutes qui passe tous les dimanches en 15 à 14h30 sur la télévision ivoirienne RTI 1. Alors, nous allons essayer de contacter votre chaîne de télévision pour essayer de peut-être faire un partenariat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent actuellement, qui n'ont pas eu l'opportunité d'être ici aujourd'hui? C'est qu'ils ont la chance que vous soyez là. Vous êtes en train de relayer ça pour toute l'Afrique. Et franchement, bravo pour le travail que vous faites. Parce que grâce à vous, ceux qui n'ont pas pu effectuer les déplacements pourront vivre en direct ce qui se passe ici. Félicitations. Alors, vous êtes là aujourd'hui, votre dernier mot, votre award, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent du côté de la Côte d'Ivoire pour cet award que vous allez recevoir aujourd'hui? Je voudrais dire à tous les Ivoiriens que je suis très heureuse d'être ici, de représenter la Côte d'Ivoire, de représenter le continent africain, et je voudrais encourager toutes ces personnes qui travaillent jour et nuit d'arrache-pied pour faire prospérer notre continent de ne pas désespérer, car la récompense est au bout de l'effort. Merci beaucoup pour votre participation. Encore mes félicitations pour votre award. Merci.